suis docteur Koumouré Sando. Je suis homme mystique, praticien, homme mystique. Je consulte, je soigne les gens. Voilà, tous ceux qui ont des problèmes, côté mystique, côté sorcellerie. Voilà, tous ceux qui travaillent. Quand on travaille pour avoir fruit de travail. Faut pas travailler jusqu'à un peu vers la fin, tu sors zéro. Donc, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont partis comme à l'aventure, voilà, ils ont des difficultés à s'en sortir. Voilà, ils peuvent nous appeler, on peut les aider. On traite beaucoup de maladies. Tu sais, nous, on n'a pas été à l'école, donc on ne peut pas citer tout en français. Voilà, mais ceux qui vont nous appeler, comme ça, on a le temps de, ils ont le temps de m'expliquer comment les choses se passent dans leur corps. Et si on a la solution, on peut les aider. Une femme qui n'arrive pas à affronter, il y a d'autres qui ont déjà fait au moins un, mais elle n'arrive pas à faire encore. Il y a d'autres aussi qui n'ont jamais fait. Si la personne, ses règles continuent de venir normalement, c'est très facile. Parce que pourquoi on dit ça? S'il y a des cas, c'est sorcellerie. Voilà. Parce que si il y a des cas, c'est sorcellerie. Si c'est sorcellerie, c'est très facile à résoudre ça. Souvent, ça arrive que y a des, dans le passé, il y a des trucs qu'on a fait, ça nous attrape. Voilà. Donc, quand tu vas arriver, à tous les cas, c'est-à-dire quand la personne nous appelle, on fait consultation. Après consultation, si on a vu le problème de la personne, si c'est la sorcellerie, on fait. Si aussi ça arrive, souvent, si ça arrive que peut-être la personne, peut-être dans ta jeunesse, peut-être il va te donner un enfant ou bien deux. Déjà, tu as déjà fait avortement. Donc, dans le moment où maintenant, où tu es prêt, tu cherches, ça ne vient pas. Si c'est le cas, peut-être, c'est Dieu qui est fâché contre la personne. Voilà. Nous, avec la personne, on se met ensemble et puis on fait une prière pour les personnes parce qu'on a aidé beaucoup de femmes qui ont des ce cas-là. Peut-être que dans leur passé, ils ont posé des actes que ça les attrape. Donc, ils viennent ensemble, on fait la prière. En tout cas, quand on fait la prière, Dieu met la main sur ces personnes et elle arrive à faire enfant. Pour ces personnes qui sont parties à l'aventure, voilà. Une fois que tu te déplaces pour aller à l'aventure, c'est mon papa qui dit ça. Il dit qu'une fois que tu te déplaces pour aller chercher, pour aller à l'aventure, il y a trois personnes qui t'attendent à la maison. L'autre, il s'est dit que ah, lui là, il va partir quand il va venir la main vite. L'autre aussi, il dit non. Comme lui, il dit qu'ici, il est dit qu'il va partir. Il va partir quand moi, mais il sera mieux que lui. L'autre aussi dit, ah, Dieu, il faut lui donner pour que s'il vient, il gagne et puis il me donne aussi. Donc, il y a trois personnes qui nous attendent. Donc, souvent, quand tu vas à l'aventure, tu fais, il y a d'autres mêmes qui vont, toi, peut-être après toi, ils vont partir, mais ils vont arriver à s'en sortir, à réaliser des choses. Mais tout le temps, toi, tu as des difficultés. Toi-même, là, il faut te poser des questions. Si tu travailles, que la chance n'est pas là, tu ne peux pas avoir fruit de ton travail. Si aussi, tu as la chance que tu ne travailles pas, tu ne vas pas avoir fruit de la chance. Donc, ce sont les deux choses qui vont à la fois. Donc, tous ceux qui sont partis à l'aventure, qu'ils ne s'en sortent pas, c'est la chance qui les manque. Donc, il faut qu'ils nous appellent pour pouvoir les aider. Parce que si tu as fait des histoires de sorcellerie, parce que la sorcellerie, je vais vous expliquer, la sorcellerie, ça ne finit pas. Pourquoi ça ne finit pas? Parce que quelqu'un qui est sorcier, avant que lui, il va mourir, il va transférer ça pour donner à autre personne. Pour dire que telle personne, ils sont dans mes listes. Donc, voici comment il les est classés. Sorcier qui a fait ça, même s'il n'est pas là, il y a d'autres personnes qui sont là pour te mettre dans les problèmes. Donc, ils n'ont qu'à nous appeler. On va faire une consultation si c'est côté spirituel. Voilà, souvent aussi, ça arrive que peut-être la personne, il n'a pas la chance où il est parti. Peut-être la chance est avec... ça est dans son pays ou bien ça est dans son village. La chance est comme, je donne un exemple, c'est comme un diplôme. Voilà. Si on te dit, bon, il y a une entreprise qui cherche les gens pour travailler, mais ils ont besoin au moins peut-être ceux qui ont bac ou bien BPC. Toi, nous, peut-être toi, tu n'as jamais allé à l'école. Est-ce que tu peux aller te présenter pour dire qu'ils cherchent travail? Parce qu'on sait ceux qui ont des diplômes. Donc, quand tu en es là, on vient à l'aventure. Ça dit, c'est la chance qui nous accompagne. Donc, si tu travailles, que là, y a la chance n'arrive pas à développer, tu vas travailler jusqu'à vers la fin. Mais il a travaillé jusqu'à même là. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Rien. Il faut travailler quand tu es jeune, pour que quand tu seras vieux,
tu pourras dormir tranquille. Mais il ne faut pas dormir dans ta jeunesse et puis tu vas t'élever dans ton vieillard. Donc quand tu travailles, il ne faut pas rester sur toutes les mêmes positions. Il faut travailler pour avancer. Il faut travailler pour avancer. Il y a des gens qui font bien leur travail, mais ils n'arrivent pas à avancer. Ils sont toujours sur la même position. Il y a d'autres même qui viennent, ils viennent pas, tu ne vois même pas bon travail fait, mais chaque fois il a des promotions, ils avancent. Il faut travailler. Quand tu travailles, il faut te chercher. Parce que plus tu travailles, plus tu t'en sors, plus il y a d'autres personnes qui cessent à t'éliminer. Ou bien, ils vont faire en sorte pour t'éteindre. Donc, il faut faire pour que ces personnes, avant qu'ils vont venir faire leur truc, déjà, tu as une protection, comme on le dit, retour à l'envoyé. C'est-à-dire, au moins, ils vont faire déjà, tu as déjà fait des protections desquelles pour eux, ça ne peut plus passer. Une fois que pour eux est passé, tu seras toujours marié. Parce que tu vas travailler toujours, mais tu t'en sors pas. Souvent même, tu arrives aussi, tu économises un peu d'argent, mais l'argent là, c'est des problèmes qui vont venir bouffer. C'est-à-dire, au lieu, tu vas prendre pour réaliser là. Tu vas économiser un peu, tu vas gagner. Le problème va tomber sur toi. C'est-à-dire, il y a des secrets, on ne veut pas dire. Sinon, tous ceux qui sont ministres, ils sont quoi, ils savent pourquoi ils sont arrivés là. Ce n'est pas parce que quand il est né, on dit non, enfant là, c'est un ministre. C'est parce qu'il a travaillé et puis il s'est cherché et puis il est arrivé où ils sont arrivés. Je suis assis dessus 42. Si vous arrivez, terminez 42, vous appelez, il y a des enfants qui sont à la maison, ils vont venir vous chercher. Le contact, c'est le 08 63 79 27. Ça, c'est le numéro de WhatsApp. 08 63 79 27. Il y a 04 72 54 76. Dieu, il ne parle pas comme nous, on attend de vous parler. Donc, il passe par quelqu'un. Même quand vous travaillez, souvent il y a des gens qui disent, quand vous travaillez, c'est l'homme qui va t'aider à avoir le travail. Même que, quand tu vas travailler, c'est l'homme qui va t'aider à avoir le travail. Quand tu vas, même si tu es là, tu es riche, c'est les gens qui ont fait qu'aujourd'hui tu es riche. Donc, ça fait que ce que je peux dire aux gens, ils n'ont qu'à venir, ceux qui ont des problèmes, on va les aider. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يأخذه حصص ما هو العلو العظيم الحمد لله رب العالمين. Tous ceux qui nous écoutent, ces prières-là, dernière prière que j'ai fait, tous ceux qui attendent de nous regarder, c'est une protection des prières. Tous ceux qui nous regardent, que Dieu les protège contre la sorcellerie, contre les mauvais sorts.